Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue dans le canal de l'âme. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Minako Komatsu. Bonsoir, Minako. Bonsoir Narissa et bonsoir à tous et à toutes. Alors, avant de commencer, on va faire un petit test technique. Pour voir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Bon, le plus important, c'est Minako. Je sais que moi, je n'ai pas une très très bonne connexion, mais on va faire avec. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, Minako. Minako, tu vas nous parler de mettre le corps au cœur du processus d'éveil, hein, et le yoga pour l'éveil de la conscience. Voilà, donc on va attendre le retour un petit peu de tout le monde. Voilà, et puis tu vas pouvoir commencer, hein. Mais si tu veux, en attendant, tu peux peut-être déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, attends, je suis en train de regarder comment allumer le chat et j'arrivais à... Voilà, je vois Voilà. maintenant. Tu vois le Alors, chat, super. donc bonsoir. Et bien, ce soir, donc, nous allons parler de yoga, de l'éveil. Accompagner votre corps, cœur, âme pour une évolution spirituelle et mettre le corps et le souffle au service de votre évolution spirituelle. Et cette conférence, d'ailleurs, est pour vous. Si vous répondez à trois de ces questions que je vais vous poser maintenant, donc je vous invite à cocher, enfin compter le nombre de oui sur les questions que je vais vous poser maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, le numéro 1, vous êtes une personne profondément spirituelle, mais votre relation avec la matière ou aussi avec de l'argent, c'est un peu compliqué. Bah, cette partie-là, on peut aussi remplacer par l'aide administratif ou des choses qui sont terre à terre. Le numéro 2, la question numéro 2, vous avez peur de critiques et vous avez du mal à exprimer votre vérité et à être à votre juste place. La question numéro 3, vous ressentez que l'énergie ne circule pas fluidement dans votre corps. Ça vous arrive de ressentir vulnérable et poreuse que d'habitude en ce moment face à la peur, l'inquiétude, la frustration et de votre, comment dire, je vais relire. Vous ressentez en ce moment plus vulnérable et poreuse. Poreuse, ça veut dire que c'est, ça parle de la porosité. C'est comme si, en fait, la peur ou l'anxiété qui se trouve dans votre environnement transperce plus facilement votre champ d'énergie et puis vous êtes plus affecté en ce moment. Ou bien est-ce que vous ressentez en ce moment un plus grand besoin de vous recentrer et rester ancré? La question suivante, vous ressentez le besoin de vous renouer avec votre corps. Et la question suivante, c'est vous vous sentez seul et vous souhaitez connecter avec les personnes qui ont une valeur similaire que les vôtres. La question suivante, vous ressentez une baisse d'énergie ou de baisse de motivation en ce moment et vous êtes à la recherche d'une solution. La question suivante, vous avez intuitivement dans cette situation inouïe et on peut
même dire peut-être un peu chaotique ou inattendu. Dans tout ça, vous voyez, vous ressentez l'appel de l'émergence d'une nouvelle conscience et le monde de demain qui reflète intimement cette nouvelle conscience. La question suivante, vous voulez contribuer à cette émergence de nouveau monde. Alors, combien de oui vous en avez eu? Et puis, si vous avez eu au moins 3 oui, eh bien, cette conférence atelier est pour vous. Alors, j'attends un petit peu vos retours sur le chat. Et puis, en attendant, je vais commencer et, enfin, je vais continuer et je vais revenir un moment pour voir vos retours. Alors, ce que nous allons parler dans cette conférence, c'est par-dessus tout de découvrir le Kundalini Yoga, yoga pour l'éveil de conscience. Et puis, dénouer vos émotions en passant par le corps. Ce qui vous réserve ce soir, c'est qu'en fait, je ne vais pas trop m'attarder dans la partie théorique, mais j'aimerais qu'on aille directement en immersion dans la pratique. Et la pratique que je vais proposer ce soir, en fait, on peut le pratiquer en étant assis sur une chaise et puis une partie debout. Donc, vous n'avez pas forcément d'avoir le tapis de yoga déroulé. Mais si vous êtes avec votre chaise, eh bien, on peut faire l'exercice ensemble un peu plus tard. Et nous allons également voir ou expérimenter comment vous sentez quand vous habitez pleinement votre corps. Et le fait d'habiter pleinement votre corps est combien essentiel pour votre évolution spirituelle. Et puis, nous parlons aussi sur l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de vie. Et l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie sexuelle. Donc, dans la pratique, eh bien, nous allons avoir des exercices, des techniques simples de Kundalini Yoga pour préparer à l'éveil de votre Kundalini. Alors, est-ce que... Ah, voilà. Ah, d'accord. Il faut dérouler vers le haut. Alors, Nathalie qui dit 10, oui. Et puis, Malise, 3. Malogozezata, 7. Et puis, Claire qui répond toujours oui. Merci beaucoup pour vos retours. Donc, a priori, vous êtes tous là et cette conférence atelier est pour vous. Alors, avant d'avancer dans le sujet, eh bien, j'aimerais me présenter. Qui suis-je? Je suis Minako Komatsu, fondatrice de Kundalini Yoga et auteure du livre Yoga Féminin. Et je suis également conférencière et créatrice de plusieurs programmes en ligne. Et je suis également coach et j'accompagne également en coaching personnalisé les femmes à éveiller leur puissance féminine. Ça m'est mieux parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui m'habite cette mission d'éveiller en chaque femme leur puissance féminine. Et j'accompagne aussi des personnes, des femmes à transformer leur défi et révéler leur plein potentiel. Et j'accompagne aussi les hommes et les femmes à éveiller la sexualité sacrée. Et par ailleurs, je suis professeure de yoga certifiée et j'enseigne du yoga et la méditation depuis maintenant 12 ans.
Alors, qui suis-je pour vous parler de sujet de yoga pour au service de notre évolution spirituelle? Alors, depuis mon adolescence et jusqu'à l'âge de 27 ans, je ne savais pas franchement quel était le sens de ma vie. Et cette situation était assez douloureuse parce que je ne savais pas pourquoi j'étais là et je ne savais pas non plus qu'est-ce que je suis venue de faire. Je faisais les études et puis j'avais aussi des activités professionnelles que je voulais faire et tout ça. Il n'y avait pas de souci, j'avais mes rêves et tout. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui manquait, il y a quelque chose qui est au centre, qui était absent. Et pendant cette période-là, j'avais également peur des jugements des autres. Et puis, je doutais en ma capacité de réaliser, de me réaliser, on peut dire. Et en plus de ça, physiquement, je me sentais souvent fatiguée dès le matin et j'avais l'impression de traîner le boulet au pied. Et au fond, j'avais le sentiment comme si, quelque part, c'était une erreur d'être née ici. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir ce type de sentiment. C'est comme si c'était une erreur que je sois ici sur Terre. Et puis, c'est à l'âge de 27 ans que cette situation a changé. Un jour, eh bien, j'ai vécu un événement majeur dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère, qui était malade, qui avait le cancer de sein, qui est décédée. Et puis, juste au pile, vraiment, au même temps, mon petit ami de l'époque m'a quitté après 6 ans de relation. Et à ce moment-là, j'ai perdu les 2 personnes les plus précieuses en même temps. Et depuis cet événement, je suis plongée dans un état dépressif aigu avec même envie suicidaire. Et cette situation a duré, entre autres, pendant plusieurs mois. Et au bout de 10 mois, un jour, et puis c'était le soir de Noël, le 25 décembre, j'ai eu une série de plusieurs déclics. Et un de ces déclics, c'était le passage dans le livre de Saint-Exupéry, Antoine Saint-Exupéry. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Terre des hommes, que j'ai lu au moins 30 fois auparavant. Et dans ce livre, il y a un passage, en fait, un pilote d'avion qui s'échoue dans le désert de Sahara. Et le modèle, c'était lui-même, Antoine Saint-Exupéry. Et à ce moment-là, au début, il attendait de l'aide. Il avait l'espoir qu'un de ses collègues puisse venir et de le retrouver au milieu de Sahara, qu'il était tout seul, avec son avion échoué. Et jour après jour, il attendait de l'aide. Et qui n'arrivait pas. Et à un moment, il a perdu l'espoir. Et à ce moment-là, il a dit, peut-être jamais maintenant l'aide ne viendra et que je suis destinée à m'éteindre ici.
Et quand cette pensée a traversé dans sa tête, c'est là où il a eu un déclic. Un déclic de dire que il a dit je suis en train, en pensant ainsi et qu'en étant résigné, je suis en train d'abandonner ma femme, je suis en train d'abandonner, c'est moi qui suis en train d'abandonner tous mes collègues qui font confiance en moi, je suis en train d'abandonner toutes les personnes qui attendent les courriers, parce qu'il avait les courriers dans son avion. Je suis en train d'abandonner tout le monde et le monde entier. Alors que j'avais l'impression que c'est moi qui étais en train d'être abandonnée et oubliée. C'était exactement ce qui était en train de se passer chez moi. Ce soir-là, j'étais vraiment au fond de trou. J'étais toute seule pour la nuit de Noël. J'ai essayé, entre autres, de me caser chez quelqu'un pour passer le Noël ensemble, mais que personne ne voulait passer le Noël avec moi, en tout cas à ceux que j'ai demandé, parce que certainement, j'allais pas bien, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis retrouvée toute seule. Et à cette époque, cette situation, je l'ai vécue très, très douloureusement. Et donc, j'étais au fond de trou. Avec cette impression que j'étais en train d'être abandonnée, d'être oubliée, durant cette nuit de Noël. Personne de ma famille ne m'appelle, et aucun de mes amis accueille chez eux. Et au fond de ce trou, avec beaucoup de larmes, eh bien, je me suis rappelée de cette histoire de Saint-Exupéry. Et c'est là où j'ai eu la déclic et que j'ai compris, exactement comme lui, c'est moi qui étais en train d'abandonner ma famille et c'est moi qui était en train d'abandonner le monde entier, mes amis. Et là, tout de suite, j'ai pris le téléphone et j'ai commencé à appeler un par un le membre de ma famille pour lui souhaiter joyeux Noël. Et c'est là où j'ai compris que c'était moi qui avais créé le mur tout autour de moi et puis c'était moi qui me suis isolée en sentant que j'ai été abandonnée. Et ce sentiment d'abandon était assez profond. C'était vraiment comme si, non seulement que j'ai été abandonnée par ma famille, mais c'est comme si j'ai été abandonnée du ciel, de Dieu. Et comme ça, d'un moment à l'autre, vraiment comme si j'ai été frappée par la foudre, j'ai eu cette déclic. Et tout de suite, je me suis ressentie un regain d'énergie extraordinaire. Et j'ai commencé à agir et appeler tout le monde. Et à partir de à ce moment-là, j'ai compris que ma vie était entre mes mains et que à partir de à ce moment-là, dans ma vie, clairement, il y a eu avant et après. C'est comme si à cette nuit-là, je me suis connectée à ma raison d'être et puis à mon âme. Et depuis, eh bien, je commençais à m'intéresser à mon histoire familiale. Je me suis mise à étudier la psychologie et puis m'initier aussi à l'astrologie. Enfin, tout ça, en fait, d'un coup, c'est comme si la porte s'ouvrait et puis c'est comme si je buvais de l'eau après d'avoir été longtemps au milieu du désert. Et j'absorbais, j'accueillais tout ce qui était nouveau pour moi. Et petit à petit, je me suis reconnectée avec mon âme.
En 2016, j'ai découvert la philosophie de yoga Vedanta. Yoga Vedanta, ça veut dire non-duel. Grâce à cette série de conférences qui a été donnée gratuitement dans un centre de yoga à Paris et qui enseignait ce qui était notre essence. Et quand je suis allée pour la première fois écouter cette conférence, et que quand j'ai entendu pour la première fois que notre essence était vaste et infinie, les larmes n'ont pas arrêté de couler pendant toute la soirée. Et puis, j'ai ressenti mon âme, elle disait grand oui, ben oui, c'est ça. C'est pour goûter ta nature, ton essence, que tu es là ici sur cette terre. Et depuis, la spiritualité est au cœur de ma vie quotidienne et j'ai enfin, depuis à ce moment-là, trouvé le sens de ma vie. C'est connaître moi-même, mon essence et le goûter. Et la spiritualité, pour moi, c'est à la fois universelle et quelque chose de vivante. Et quand je dis vivante, c'est quelque chose qui n'est pas à part de notre vie au quotidien. La spiritualité peut être vécue en faisant les vaisselles. La spiritualité peut être vécue en allant acheter des nourritures. La spiritualité peut être vécue partout et tout le temps et ça englobe notre vie de tous les jours. Alors que dans l'histoire, dans certains écoles religieuses, par exemple, la spiritualité, c'était quelque chose à explorer en étant l'écart de monde. Mais aujourd'hui, si nous sommes nés en 20e siècle ou 21e siècle, eh bien, je sens que la plupart d'entre nous sont là non pas pour renoncer le monde, pour se consacrer notre vie à la spiritualité, mais plutôt pour amener la spiritualité, la spiritualité dans le monde. Dans le monde mondaine, ou on peut dire le monde, au sein de la vie en famille, professionnelle, et tout ça, sans pour autant renoncer à tout cela, y compris la sexualité. Alors, donc ce soir, beaucoup de pratiques. Donc, nous allons découvrir le Kunda Yoga. Le yoga pour l'éveil de conscience. Et nous allons expérimenter en quoi ou de quelle manière notre corps est une porte pour l'éveil de conscience. Et là, je continue un petit peu ce que je viens de souligner parce que il y a dans certaines traditions spirituelles religieuses, plutôt on peut dire religieuses, avaient auparavant la tendance de mépriser le corps. Donc c'est même si aujourd'hui, peut-être consciemment, vous vous sentez ne pas être concerné, mais il est possible que en matière de mémoire, en fait, c'est quelque chose, cet déni ou mépris du corps. Ça pourrait être vraiment quelque chose qui est ancré dans nos cellules. Donc c'est quelque chose aussi à un moment donné à prendre conscience et juste laisser dissoudre hein, ce déni ou de mépris de notre corps. Certains courants de spirituels enseignaient que le corps était une prison pour l'âme, que la matière dont il était issu était un poids pour l'âme qui le tirait vers le bas et
Donc préconiser la pratique diverse d'ACES. En fait, la pratique d'ACES, souvent ça vient de ce désir de transcender le corps, mais on le nie, on le méprise. Et ce mépris de corps crée et renforce la polarité telle que bien et de mal, ou positive ou négative, et nous éloigne de l'expérience de goûter l'unité. Et donc, cette conférence est une invitation de mettre le corps au cœur de votre processus d'éveil et redécouvrir le yoga comme la science de l'éveil de conscience qui inclut et unit le corps, le souffle, les émotions, le mental et votre nature spirituelle. Alors, est-ce que toutes ces thématiques-là, ça vous parle? Et si vous êtes prêts, eh bien, ce soir, je vous propose d'aller directement dans la partie pratique. Je pense que je peux y aller parce que... Oui, je pense que tu peux y aller. Déjà, merci beaucoup pour... le début, ta présentation et tout ce que tu nous as partagé, je pense que ça vous parle. Hein. Ceux qui sont dans le chat peuvent nous le partager. Donc, ben, préparez-vous. Moi, je vais enlever ma caméra comme ça, oui. On va te voir. Oui. Voilà. Et puis, si tu as besoin que je te remonte des choses, tu me le dis, comme tu seras un peu plus loin, si tu as besoin que je remonte des questions, des choses, oui. N'hésite pas, je te les oui. donnerai. D'ailleurs, oui. N'hésitez pas, si vous avez des retours, vous posez des questions à tout moment, et puis comme ça, on remontera après. Mais là, tout de suite, alors on va partir sur la partie pratique, parce que c'est plutôt que de partir dans le théorique que j'aimerais, et je tiens à ce que ce soir, vous goûtiez en fait ce que c'est de mettre au cœur de service votre corps dans votre processus d'éveil. Alors, du coup, je vais reculer pour que vous me voyez. Je vais juste réguler un petit peu la caméra. Et puis vous, je vous invite à aménager l'espace avec votre chaise. C'est-à-dire que, alors, si vous êtes très près de votre ordinateur ou votre téléphone, peut-être vous prenez un petit peu le distance. Enfin, si c'est le téléphone, peut-être vous n'avez pas besoin d'avoir la distance. Et puis, je vous invite à vous asseoir. Je vais descendre un petit peu plus sur la caméra. Vous asseoir sur votre chaise avec les pieds bien déposés au sol. Et là, dans un premier temps, ressentez comment votre bassin est posé sur la chaise. Ressentez également comment vos deux pieds sont posés sur le sol. Et puis, ressentez également votre respiration. L'air qui traverse dans vos narines à l'inspiration et à l'expiration. Observez si votre respiration, votre souffle descend jusqu'à votre bas du ventre. Quand je dis descend, le souffle descend jusqu'à votre bas du ventre, ça veut dire que c'est le mouvement et en termes d'énergie, pas forcément l'air lui-même qui descend jusqu'à votre bas du ventre, mais c'est vraiment en termes de connexion, l'énergie, le mouvement du ventre. Est-ce que votre ventre est connecté
à votre souffle. Est-ce que vous sentez que, par exemple, à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire, il y a quelque chose qui bloque? Quelle que soit la sensation que vous avez là, en ce moment, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'autoriser à ressentir. Dès lors que vous ressentez, eh bien, l'énergie commence à se transformer. Alors que, aussi longtemps que vous essayez de contourner les sensations désagréables ou que vous le jugez, eh bien, vous le faites perdurer. Et petit à petit, vous venez déposer votre bassin un peu plus à l'aise sur votre chaise. Inspirez. Et soufflez par la bouche et en soufflant, vous venez encore plus déposer votre bassin sur votre chaise. Ressentez que c'est tout à fait légitime et juste d'être assis là. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Et puis commencez à tout doucement basculer votre bassin. En expirant par le nez, basculez en arrière. Inspirez, basculez vers l'avant. Mais tout lentement, le mouvement se fait dans lenteur. En allant en arrière, le bassin bascule, vous expirez par le nez. En allant vers l'avant, inspirez par le nez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez avec l'intention d'éveiller la sensation au niveau de votre bassin. Le fait d'éveiller la sensation, eh bien, il vous sera plus facile d'habiter votre bassin, d'habiter, pardon, votre bassin. Revenez au centre. Imaginez que votre centre d'attention, là, en ce moment, se situe à l'intérieur de votre tête. Et imaginez que vous devenez ce centre d'attention, comme si c'était une petite perle lumineuse à l'intérieur de votre tête. Et puis vous, vous devenez cette petite perle lumineuse, donc vous vous trouvez à l'intérieur de votre tête. Et vous allez commencer à descendre en passant par la gorge, à l'intérieur de votre corps, en passant par le cœur. Tout simplement, amenez attention vers votre cœur et descendez au niveau du haut du ventre, le plexus solaire. Descendez au niveau du bas du ventre et vous êtes arrivé à votre bassin. Vous êtes arrivé à votre bassin, votre terre intérieure. Cet espace vaste qui est pour le moment dans le ténèbre et que vous pouvez peut-être juste percevoir l'ambiance générale de cette première contact. Avec votre terre intérieure, imaginez que vous posez vos pieds sur votre terre intérieure, tout en bas de votre bassin. Et vous êtes dans le noir.
Et imaginez que dans ce noir, vous pouvez allumer un flambeau. Et lorsque vous allumez votre flambeau, eh bien, vous commencez à voir un petit peu autour, juste autour de vous. Vous voyez le sol de cette terre aride, sec, sèche. Et puis, lorsque vous voyez le périmètre où vous voyez éclairé le sol, eh bien, quelque part, vous voyez comme une masse de grosses pierres ou de petits rochers. Et cette masse de grosses pierres posées au sol représente vos émotions ou vos ressentis ou vos conclusions tirées de l'expérience qui sont limitantes, qui a été cristallisée. Alors, vous pouvez vous rapprocher vers ce premier amas de grosses pierres. Et puis, juste à côté de là où il y a le grosses pierres, alors vous pouvez planter votre flambeau. Et puis, vous avez la deuxième bois et vous pouvez allumer le deuxième flambeau. Maintenant, ce sentiment ou l'émotion qui ont été cristallisées, il est éclairé avec votre premier flambeau. Et vous avez sur votre main le deuxième flambeau. Et vous pouvez aller explorer sur votre terre intérieure. Il y a toujours masse de pierre, comme celui que vous avez trouvé au début. Et à chaque fois, lorsque vous trouvez sur votre chemin une masse de pierre, eh bien, vous déposez le flambeau et vous transmettez le flamme sur un prochain flambeau. Et puis, vous continuez votre chemin, vous explorez votre terrain. Et à chaque fois, vous déposez, vous plantez le flambeau juste à côté de ces grosses pierres, afin que vous puissiez y voir clair et qu'à fin de cette émotion comprimée soit éclairée. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez, continuez, encore et encore, jusqu'à ce que vous avez fait le tour de votre terrain, votre territoire intérieur, et que vous aurez mis à côté chaque masse de pierre un flambeau pour éclairer. Et lorsque vous avez terminé, eh bien, vous vous placez à peu près vers le centre de votre territoire, de votre terre intérieure. Et là, prenez le temps de regarder la constellation de ces petites lumières que vous voyez par-ci et par-là, devant vous, sur les côtés, derrière, et vous voyez au pied de chaque flambeau cette masse de pierre éclairée.
Alors, reprenons le mouvement. Vous allez commencer cette fois-ci à tourner votre bassin. Expirez en allant en arrière et puis inspirez en allant en avant, tout en tournant. Le mouvement est lent. Le mouvement est également profond. Des grandes rotations. Expirez en allant en arrière. Inspirez en allant en avant. Vous prenez l'appui sur vos mains. Vous ressentez également le poids qui se déplace entre les deux pieds. Vous prenez l'appui avec vos mains sur un genou et puis sur l'autre pour accompagner ce mouvement de rotation. Et à chaque fois, ressentez le poids se transmet, se déplace entre les deux jambes. Et revenez au centre. Quelques respirations. Prenez le temps pour ressentir. Peut-être vous ressentez que toute cette zone-là est en train de se réveiller. Alors tournez maintenant dans l'autre sens. Respirez. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Ouvrez les épaules en avant, et puis ouvrez l'espace entre les omoplates en allant en arrière. Et on revient au centre. Alors prenez quelques instants juste pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, nous sommes en train de brasser l'énergie, mettre en mouvement de l'énergie vitale qui était stagnée à l'intérieur de notre corps. Et cette fois-ci, vous allez... Imaginez que ce sont des orteils et vos orteils, vous faites comme si vous faites papier, ciseaux, pierre de pierre. Vous ramenez, ratissez voilà, la terre avec les orteils. J'ai trouvé le bon mot. Et puis relâchez. Vous ratissez la terre avec les orteils et vous relâchez. Allons-y. Et qu'en expirant, vous ratissez la terre avec les orteils. Et puis, à l'inspiration, vous relâchez. Expirez. Ratissez la terre. Et inspirez, relâchez. Continuez. Expirez. Et inspirez, relâchez. Expirez. Et inspirez, relâchez. Cette fois-ci, nous allons associer à ce mouvement qui ratisse la terre aux contractions de périnée. En ratissant la terre, vous allez en même temps contracter votre périnée. Et votre périnée contracté en superficiel, comment dire, au niveau superficiel, et cette contraction, vous le remontez légèrement vers le haut, comme si vous imaginez la fermeture éclair de votre zine. Vous refermiez la fermeture éclair. Alors, allons-y. Expirez. Ratissez la terre et en même temps, contractez le périnée et remontez. Et inspirez, relâchez. Expirez, contractez, ratissez la terre. Et inspirez, relâchez.
Expirez, contractez. Et inspirez, relâchez. Cet exercice permet de nous préparer pour l'éveil de l'énergie Kundalini. Qu'il ne faut pas qu'elle s'éveille d'un coup, mais ce serait bien qu'elle se réveille progressivement. Alors cet exercice permet de mettre en mouvement votre énergie vitale à l'intérieur de vous. Et puis aussi, vous allez voir qu'on va amener notre attention progressivement sur notre axe vertical en partant de notre bassin, la siège de cette énergie serpentine. Expirez, ratissez la terre et contractez le périnée et relâchez. Prenez le temps pour ressentir. Et cette fois-ci, nous associons le mouvement des orteils, la contraction de périnée et le mouvement de diaphragme. En expirant, maintenant, creusez légèrement votre ventre, comme si vous faites le sous-vide au niveau du ventre, et cette légère contraction au niveau abdomen permet de remonter, faire remonter votre diaphragme. Alors, du coup, les orteils, périnée, diaphragme, les trois portes et trois pompes. Ce sont aussi des pompes qui permettent de faire circuler l'énergie vitale. Et puis, ce sont aussi des portes parce que sur chaque étage, c'est comme si vous venez dissoudre des freins ou des nœuds. Alors, expirez, ratissez la terre, contractez le périnée et creusez le ventre en laissant remonter le diaphragme. Et inspirez, relâchez. Expirez. Et inspirez, relâchez. Expirez. Et inspirez, relâchez. Expirez. Et en inspirant, relâchez. Expirez. Voûte plantaire, périnée et diaphragme. Et relâchez encore trois fois. Expirez. Contractez. Et inspirez, relâchez. Expirez. Et inspirez, relâchez. Expirez. Dernière fois. Et inspirez, relâchez. Cette sensation comme si il y a des mouvements à l'intérieur de votre corps, il commence maintenant à monter jusqu'au niveau du plexus solaire. Et cette fois-ci, en expirant, en ratissant la terre, en contractant le périnée, en creusant le ventre, donc en faisant remonter le diaphragme, eh bien, vous allez, à chaque expiration, ramener le menton vers le creux de la gorge. Et, inspiration, vous relâchez. Allons-y. Inspirez. Expirez, ratissez la terre, périnée, diaphragme et la gorge. Et inspirez, relâchez. Expirez. Et inspirez, relâchez. Expirez. Creusez le ventre, le menton vers le creux de la gorge. Et inspirez, relâchez. Expirez. Retournez. Et inspirez, relâchez. Encore trois fois, expirez, retournez, et inspirez, relâchez, expirez, retournez, et inspirez, relâchez.
Accordez le temps pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors cette fois-ci, vous venez tendre les bras comme cela, comme si il y avait des murs et que vous étiez en train de vous repousser les murs, le dos bien droit. Et dans cet exercice, nous allons respirer, nous allons utiliser la respiration qui s'appelle la respiration dynamique. Alors, du coup, vous pouvez détendre vos bras et je vais d'abord vous expliquer comment pratiquer la respiration dynamique. Alors, pour faire très simple l'image, imaginez un chien qui a couru longtemps et qui arrive devant vous. Sa respiration, ça fait après d'avoir couru longtemps. Alors, essayons de faire le chien tous ensemble. Inspirez. Allons-y. Expirez. Et lorsque vous faites la respiration de chien, si vous remarquez, votre ventre, il bouge. Votre ventre se creuse au moment d'expiration et votre ventre revient, avance au moment d'inspiration. On réessaye encore une fois et on va vérifier ça. Placez une main sur votre ventre, inspirez et allons-y. Expirez et quelques respirations profondes. Prenez le temps pour ressentir. Et cette fois-ci, nous allons juste fermer la bouche et laissons passer l'air par le nez. Mais exactement le même mouvement. Le ventre se creuse quand j'expire, le ventre revient quand j'inspire. Inspirez. Allons-y. Expirez, inspirez et retenez le souffle. Imaginez que les flambeaux deviennent plus lumineux et qui éclairent davantage toutes ces masses de cailloux. Expirez. Quelques respirations. Et si en ce moment vous êtes enceinte ou vous êtes dans la phase menstruelle, les premières, deux, trois premiers jours de votre phase menstruelle, ou si vous avez la hypertension artérielle ou problème cardiaque, eh bien, avec l'exercice suivant, vous remplacez la respiration dynamique à la respiration profonde et abdominale. Et pour les autres personnes, eh bien, nous allons pratiquer la respiration dynamique. Alors, tendez les bras et puis poussez les murs invisibles sur les côtés. Et puis, vous allez commencer à tourner de l'avant vers l'arrière, comme ça, les deux bras. Et en même temps, la respiration dynamique. Inspirez. Allons-y. Et on change le sens de la rotation.
Continuez la respiration et envoyez la fluidité de l'air au cœur de votre terre intérieure et que les flambeaux deviennent de plus en plus lumineux. Expirez, déposez les bras. Appuyez-vous sur vos bras, sur les mains posées sur vos genoux et penchez-vous légèrement en avant. Inspirez. Et retournez le souffle à poumon plein. Ratissez en rétention de souffle. Ratissez la terre. Contractez le périnée. Creusez le ventre et puis le menton vers le creux de la gorge. Retournez. Expirez, détendez votre corps. Quelques respirations. Cet exercice permet de nettoyer vos canaux énergétiques qui peuvent être obstrués par les émotions, bloqués, coincés, bien par des mémoires ou par nos conceptions du monde limitantes. Et tout cela, ils sont en train de dissoudre. Le canal central. Et dans ce processus, il se peut que vous ressentez à un moment donné comme un ressurgissement des émotions et que d'un coup vous êtes ému ou qu'il y a la tristesse qui remonte ou bien vous ressentez comme un sentiment d'euphorie. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de accueillir ce qui se présente et d'être avec, de ne pas fuir à l'extérieur de votre corps, mais au contraire, habiter pleinement et consciemment votre corps. La respiration longue et profonde. Et là, nous allons fermer les poings. Et puis, placer les mains ici, tout près des épaules. Et puis, au même temps, pendant cet exercice, vous allez vous appuyer fort sur vos pieds et qui fait que votre bassin se cale légèrement en arrière. Vous voyez, si je relâche, il y a le marge de mouvement. Mais si je prends l'appui vraiment et que je pousse un peu mon bassin, là, mon bassin, il est bien stable et mes pieds, ils sont bien ancrés. Je prends l'appui, j'active mes psoas et je prends l'appui sur mes pieds. Mes poings de main sont fermés. Et puis, nous allons tendre les mains vers le ciel avec le son Ha. Et je ramène. Nous allons tendre les bras sur le côté. Ha. Et je ramène. Nous allons tendre les bras vers devant. Ha. Et je ramène. Votre intention, c'est accueillir pleinement tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez vécu dans cette vie et dans toutes les vies. Épouser tout votre parcours et honorer. Célébrer. Pardonner, accueillir. Même si vous ne savez pas quoi pardonner ou accueillir, eh bien, votre intention y est. Prenez l'appui et allons-y. Attention, si vous avez sur votre chaise les roulettes, alors calez les roulettes pour pas que vous reculiez en arrière. Connectez-vous à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant. Et puis, connectez-vous également à tous les résidus de l'amertume, de nostalgie,
de la rage, de la tristesse que vous avez emporté dans cette vie. Et puis depuis plusieurs vies, la joie à tous ces moments vibrants. Et parfois on s'y attache aussi. On a envie de retrouver cet état profond et vibrant. Et ça peut devenir un attachement. Mais peu importe, avec beaucoup de indulgence, la douceur et non-jugement, eh bien, connectez-vous à tout cela. Allons-y. Inspirez. Ha, 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 ha. Continuez à prendre l'appui sur vos pieds. Ha, 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 plus vite. Ha, 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 continuez. Honorez, célébrez, pardonnez, remerciez, oubliez, laissez aller tout ce que vous avez rencontré. Oubliez après d'avoir remémoré, évidemment. Ha, 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 plus vite. Ha, 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 plus vite. Ha, 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 ralentissez. Ha, 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 dernière fois. Ha, ha, ha. Posez les mains. Une main au centre de votre poitrine et l'autre main au niveau du bas du ventre. Et prenez le temps pour recevoir cette célébration, le pardon, la reconnaissance, la gratitude, cet amour. Offrez-vous à ce regard posé sur toute votre vie et toutes les vies, ce regard pacifié, compréhensible, compassionnel. Imaginez l'oreille qui entend toute votre vie et toutes les vies. Imaginez que vous êtes accueilli et entendu et vu avec toutes vos mémoires. Et comme si les choses auxquelles vous étiez d'être attaché, les choses lesquelles vous n'arrivez pas à pardonner, les choses auquel vous niez sont en train de se pacifier. Est-ce que cette pacification vous aide à revenir à votre corps et à habiter pleinement. Ressentez que vous épousez votre corps encore plus intimement maintenant. Vous y êtes.
Alors maintenant, ramenez votre attention vers votre terre intérieure, tout en balançant, basculant votre bassin tout doucement, tout doucement. Les mains soit gardées sur le cœur et le ventre, soit laissées déposer sur vos jambes. Ramenez votre attention vers votre terre intérieure. Que chaque flamme de flambeau devient encore plus lumineux et maintenant éclaire tout le terrain. Cette terre sec, sèche et aride. Cette terre qui a été oubliée, qui a été abandonnée, qui a été rejetée. À présent, il est éclairé et vous le voyez. Connectez-vous à votre terre intérieure. Et puis, dans votre imagination, tout est possible. Maintenant, vous allez rassembler toutes ces masses de grosses pierres ou les petits rochers vers le centre. Rassemblez, tout rassemblez. Et puis, les flambeaux, vous mettez à côté en faisant le tas. Rassemblez tous les pierres, les gros pierres, qui commencent à devenir légèrement transparents. Et c'est comme s'ils commencent à perdre un petit peu la densité. Vous rassemblez tout vers le centre. Alors, vous revenez au centre. Et à présent, encore une fois, dans votre imagination, tout est possible. Eh bien, vous pouvez à présent tout attraper comme ça avec vos bras, comme ça, porter ces masses de pierres, des grosses pierres. Et puis, vous ressentez le poids que ça fait. Le tas de ces grosses pierres, c'est lourd. Et en même temps, vous avez maintenant suffisamment de force. Et maintenant, nous allons commencer à monter une montagne. Votre terre intérieure se situe juste au pied de montagne. Vous commencez à monter en tournant dans un sens. Et en inspirant par la bouche et en expirant par la bouche. Sans faire la pause entre l'inspiration et l'expiration. Et au fur et à mesure que vous vous tournez dans ce mouvement de rotation, eh bien, vous montez vers le haut d'une montagne. Un peu plus rapide. Tout en portant toutes ces masses de pierre. Et vous êtes presque au sommet de la montagne. Tournez un peu plus vite. Et vous êtes au sommet de montagne. Là où il fait bon de respirer. Et revenez au centre. Là où la conscience s'éclaire suffisamment pour que ces masses de cailloux, des pierres, se transforment en petites pluies fines et dorées. Alors,
ce que vous aviez porté, comme s'il se distille et puis par la suite tombe sur vous, sur votre terre intérieure. Inspirez à plein poumon, l'air frais. Et expirez. Ressentez cette pluie fine qui vous régénère, qui régénère votre terre intérieure. Vous avez une vision plus éclairée sur votre vie, sur votre nature, sur votre essence. Inspirez à poumon plein et retenez le souffle. Expirez, détendez le corps. Accueillez ce qui n'était pas digeste, ce que vous n'aviez pas pu accueillir auparavant, et laissez dissoudre. Les mémoires de cette vie et toutes les vies auxquels vous aviez été attaché. Laissez le processus se faire. Ça prendra encore une petite minute. Ressentez à l'intérieur de vous ce qui se passe. C'est comme s'il y a des milliers de petites cristaux du sel, de mémoire qui se dissout au cœur de l'immense océan. Juste rester immobile et accueillir ce processus. Et maintenant, vous êtes prête à descendre de cette montagne, eh bien, la rotation dans l'autre sens. Et puis, laissez l'aigle vous enseigner, vous indiquer le chemin de retour. Et maintenant, la petite pluie fine et dorée se transforme en ensoleillement. Et le soleil arrive jusqu'au cœur de votre terre intérieure. Inspirez par la bouche, expirez par la bouche. Et maintenant, vous êtes arrivé de nouveau. Déposez vos pieds en votre terre intérieure. Là où, maintenant, cette terre auparavant qui a été sèche et aride, vous voyez le début de verdure qui commence à pousser. Car il y a eu la pluie et maintenant il y a le soleil. Et ce début de verdure se développe de plus en plus, pousse. Les arbres commencent à pousser. Si vous avez vu le film Totoro, les glands dans la nuit de lune, ils se germent et deviennent grands arbres. Et c'est un peu comme ça que tout pousse avec une vitesse extraordinaire et que maintenant, cette terre aride se transforme en la forêt vierge. Alors, venez vous mettre debout
Vous pouvez mettre la chaise sur le côté. Et posez vos pieds sur le sol. Et posez votre terre intérieure qui est devenue une magnifique forêt vierge sous vos pieds. Et puis, regardez autour de vous avec l'émerveillement, la beauté de votre forêt vierge, les arbres, des liens, des herbes, des humus, des vers de terre, les animaux, les oiseaux. Vous avez aussi quelque part des ruisseaux, des étangs, des poissons. Ressentez toutes les vies qui vous entourent. Entendez toutes les vies qui vous entourent. Voyez toutes les vies qui vous entourent. Vous êtes au cœur de votre forêt vierge. Et laissez votre battement de cœur s'unir à votre environnement. Cette abondance de la vie. Et au fur et à mesure que vous unissez votre battement de cœur au rythme de la terre, au rythme des animaux, au rythme des arbres, et bien vos pieds épousent encore plus solidement, profondément la terre. Ainsi, vous êtes ici, non pas vivre votre spiritualité quelque part, mais bien vous êtes ici pour vivre votre spiritualité au cœur de votre vie quotidienne, dans le monde. Inspirez au rythme de battement de cœur. Écoutez 3-4 battements de cœur pour inspiration et 3-4 battements de cœur pour expiration. Et ressentez que tout autour de vous, la nature qui vous entoure, inspire et expire au rythme unissant. Et maintenant, amenez votre attention au niveau de votre pubis. Formez un triangle. Et imaginez ici un œuf lumineux qui est en train d'éclore. Et vous allez contracter le périnée et tout le corps et laisser cet œuf lumineux s'éclore complètement. Inspirez, contractez. Le périnée est tout le corps. Et cette ouf lumineuse éclore et expirez. Oh, lâchez. Depuis cette ouf, le dragon doré qui émerge et qui commence à tourner sur votre premier chakra. Tourbillonnez sur votre premier chakra. Inspirez, expirez. Tournez votre bassin légèrement. En gardant la forme de triangle. Et puis maintenant, laissez passer le dragon au niveau du bas du ventre, en tourbillonnant. Juste votre
Attention sincère et authentique suffit pour laisser passer le dragon. Tout en sécurité. Et maintenant, déposez le triangle sur le plexus solaire. Laissez passer le dragon au niveau du troisième chakra. Ne bloquez pas votre respiration. Et puis, joignez les mains au niveau du cœur. Faites le mouvement de 8 maintenant de votre bassin. Votre dragon tourbillonne au niveau du cœur. Et puis en tourbillonnant, en spiralant, alors il remonte jusqu'à votre gorge. Il vient desserrer votre gorge. Il vient déployer votre vérité en votre gorge. Et puis maintenant, le dragon en tourbillonnant, eh bien il arrive sur le troisième œil. Il se peut que vous ressentez derrière les yeux clos la sensation de lumière. Ou bien vos paupières se battre comme ça, bouge. Alors tout ça, c'est les indications que votre énergie spirituelle est en train de s'éveiller et circuler. Et puis maintenant, le dragon arrive au sommet de la tête. Et vous revenez au centre. Accueillez le dragon au sommet de la tête. Voyez tout le chemin parcouru par le dragon, lumineuse, dorée. Et souriez au dragon. Et maintenant, les mains posées comme cela au devant, un peu avec le distance comme ça, au devant, sur la ligne centrale de votre corps, et accompagnez le dragon. Tout doucement, descendre jusqu'à votre terre intérieure, là où demeure le dragon. Et puis, posez votre main touchée au niveau du pubis avec vos mains. Laissez votre dragon s'installer tranquillement au cœur de votre magnifique luxuriante forêt vierge. Joignez les mains devant votre front. Et puis posez les mains sur votre ventre. Et maintenant, joignez les mains devant le cœur et fermez le poing de main gauche et tournez-le vers le ciel. Et nous remercions. Samasta Glorio Namaha Om Tat Sat. Alors, nous allons tout doucement revenir dans le salle là où vous êtes. Et puis, hop, petit à petit, retrouvez votre environnement chez vous ou ailleurs, peu importe. Et puis, si vous voulez partager votre expérience, eh bien, c'est le moment. Et puis, comme il y a un petit peu de, le décalage entre le temps que le chat réagisse, eh bien, je vais avancer un petit peu. Mais n'hésitez pas à partager votre expérience, vos retours.
Je prends aussi un peu de temps pour venir me déposer. Et puis, en même temps, si vous avez des questions, c'est aussi le moment sur la pratique ou bien sur ce qu'on a dit juste avant la pratique. Eh bien, c'est également le moment. Et en attendant, eh bien, je vais avancer un petit peu. Je ne sais pas si vous vous ressentez, mais en ce moment, comme si il y a une contraction de temps et les changements arrivent de plus en plus vite. C'est ce qui se passe régulièrement dans notre civilisation à la fin d'un cycle et entre la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle. En plus de cette crise ou bien cette situation inouïe que nous sommes en train de traverser en ce moment, eh bien, il y a les cycles astrologiques, les cycles sur le calendrier, comme la calendrier Maya, se coïncident vraiment en ce moment. C'est vraiment plusieurs fins de cycle se posent comme ça l'un et l'autre. Et donc, quelque part, on peut dire que là, on est vraiment cette période où l'entonnoir se resserre. C'est comme un passage étroit avant la délivrance, l'accouchement et la renaissance. Et dans tout ça, eh bien, peut-être vous souhaitez vous de soutenir pour traverser cette période cruciale. Ou peut-être vous souhaitez davantage découvrir votre puissance intérieure encore ensommeillée, cette puissance qui est en vérité inébranlable. Ou bien peut-être vous souhaitez saisir cette période si particulière comme une opportunité de démarrer une belle période de votre vie plus positive et constructive. Ou si vous souhaitez soutenir votre corps, votre cœur, votre âme en pleine mutation. Parce que quand l'énergie change, l'énergie planétaire évolue, eh bien, notre corps, notre cœur a besoin également de mettre à jour, c'est-à-dire que vraiment il y a comme une transformation pour répondre à ce changement vibratoire de la Terre. Et si vous répondez oui à ces questions, eh bien, je me sens en mesure de vous accompagner. Je peux vous aider à vous de vous soutenir pour traverser cette période si cruciale et unique. Et je peux vous aider à révéler votre puissance intérieure. Et je peux aussi vous aider à vous accompagner pour que vous puissiez enfin saisir cette période comme une opportunité de démarrer une nouvelle période de votre vie dans la spirale d'ascension, d'évolution spirituelle. Et puis, je peux vous aider à vous de soutenir votre cœur, votre corps et votre âme qui a besoin comme des mises à jour assez rapidement en ce moment. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous démarrez une belle résolution pour instaurer, par exemple, une routine matinale de méditation ou de pratiquer le yoga et abandonner au bout de 2-3 jours ou aller 3 semaines. Ou bien ça vous est déjà arrivé
de vous remettre en question sur votre vie en ce moment. Que ça soit là, vraiment cette remise de question existentielle, ou bien ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, peu importe. Et si ça vous est déjà arrivé de ressentir cette sensation de séparation entre votre vie spirituelle et votre vie sur terre de tous les jours, de quotidien, qu'on pourrait aussi parfois mettre l'étiquette de vie banale, peut-être vie banale, en comparant la béatitude de moment de contemplation. Et si ça vous est déjà arrivé, que vous avez une vision, mais vous avez du mal à concrétiser. C'est comme si vous avez souvent l'inspiration, mais vous avez du mal à vraiment manifester dans la matière. Ou si vous avez déjà des pratiques personnelles, comme la méditation, le yoga, et vous lisez tant de livres de développement personnel et de spiritualité, mais vous avez l'impression que vous manquez des pièces pour vous épanouir véritablement. Encore une fois, nous vivons une période si particulière. Et puis notre corps, je répète, est aussi en maturation. Parce que notre corps, lui aussi, traverse ce changement climatique, environnemental, énergétique, font aussi apparaître une nouvelle structure énergétique et des nouveaux centres énergétiques. Et les besoins de votre corps physique et énergétique évoluent en ce moment, même depuis toujours, mais en ce moment particulièrement rapidement. Et dans ce sens, c'est clair que nos besoins évoluent et nos besoins sont pour être différents de ceux qu'il y a il y a 2000 ans. Et Kundalini Yoga, c'est le yoga qui accompagne la période de chaos et l'émergence d'une nouvelle conscience grâce à l'enseignement vivant et évolutif tel que vous avez expérimenté ce soir, grâce à sa racine qui puise sur terre et puis de la sagesse ancestrale et ses branches se déploient vers le ciel. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Après, je vais faire le retour de chat. Et si ça vous parle, eh bien ce soir, j'ai une proposition à vous faire. J'ai décidé d'ouvrir un nouveau cercle, un nouveau cycle de groupe de pratique qui s'appelle Kunda Yoga Kutsir. Ce cercle de groupe a ouvert il y a un an. Vraiment, il a, il a eu sa naissance, son accouchement. Il y a exactement un an, le 26 avril 2020, au cœur de premier confinement. Et ce groupe Kunda Yoga Kutsir, eh bien aujourd'hui, j'aimerais accueillir des nouvelles personnes. Et Kunda Yoga Kutsir, et Kutsir signifie la maison où on s'inscrit. C'est aussi dans la tradition indienne, c'est un lieu où il y a des cérémonies spirituelles et aussi le lieu où on partage la vie autour d'une valeur en commun. Et en tant que membre de Kunda Yoga Kutsir, si vous choisissez rejoindre à notre cercle, eh bien vous aurez accès immédiatement au plus de 50 séances de Kunda Yoga. Et puis, ces séances sont disponibles sur votre espace membre.
Et vous aurez également accès immédiat à une dizaine de l'atelier sur les thématiques différentes, par exemple les corps énergétiques ou l'introduction et approfondissement à la méditation. Mais aussi, je traite également dans les ateliers les thèmes vraiment qui sont beaucoup plus terre à terre, parce que en tant qu'être humain, on a besoin de faire face à notre vie au quotidien. C'est pas, encore une fois, je répète cette je répète ce propos plusieurs fois dans cette soirée, mais c'est pas en contournant finalement les choses qui sont compliquées pour vous dans la vie que nous pouvons éveiller spirituellement. Au contraire, en fait, tout ça, ce sont des matières extraordinaires pour notre éveil. Et dans ce sens, par exemple, il y a des ateliers, récemment, j'ai donné sur la dépendance affective. Donc voilà, en fait, le thème, il y a beaucoup de variations, mais tout ce qui est en commun, c'est que il y a toujours dans ces ateliers, le temps pour amener le souffle, la dimension de corps pour dénouer tout cela. Et puis, en plus de ça, eh bien, je vous propose une fois par mois à vous assister à une séance de Kunda Yoga en ligne et en direct. Également, en plus, une fois par mois, de séances de méditation en direct. Et puis, il y a à peu près tous les 2 mois un atelier où on l'appelle un masterclass. Donc, au total, il y aura 6 masterclass par an. Et ces séances de Kunda Yoga, comme vous l'avez expérimenté, c'était une des séances, eh bien, c'est bien plus que de cours de yoga classiques. Vous allez mobiliser votre corps et puis vous ressentez les étirements et tout ça. Évidemment, il y a tous ces aspects-là, mais la plus grande particularité de Kunda Yoga, c'est vraiment amener au cœur de votre évolution spirituelle la dimension de corps et le souffle. Alors, j'ai mon chat qui miaule, je vais aller ouvrir. Il a envie de traverser. Oui. Et ce Kunda Yoga Couture s'adresse à vous si vous êtes une personne libre, autonome et responsable, ou bien vous souhaitez le devenir. Et si vous souhaitez ouvrir pour bâtir un nouveau monde. Et puis aussi, si vous souhaitez vous initier à une pratique qui répond aux besoins de votre corps, cœur, esprit en constante évolution actuellement. Et puis également, si vous souhaitez vous renouer avec votre corps. Peut-être à un moment, vous étiez fâché avec votre corps et que aujourd'hui, vous avez envie de renouer avec votre corps. Je vais laisser passer encore une fois le chat. Tiens. Vas-y, vas-y. Passe, passe. Et en tant que membre de Kunda Yoga Couture, eh bien, vous pouvez également me demander s'il y a un thème qui vous tient à cœur particulièrement de traiter dans un des ateliers. Donc, dans ce sens, on va co-créer ensemble et cette Kunda Yoga Couture. Alors, si ça vous parle et puis si vous avez envie d'aller plus loin. Alors,
Il y a en plus, si vous rejoignez d'ici, ce soir jusqu'à début de la semaine prochaine, jeudi prochain, pardon. Donc, pendant une semaine, si vous rejoignez au Kunda Yoga Kutir, à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain. Eh bien, pour les personnes qui souhaitent, je vous offre un entretien de 45 minutes tête à tête avec moi sur Skype ou sur Zoom, ce qui nous permet de moi de vous connaître, de vous connaître vos besoins, vos particularités, et puis aussi vous de me connaître, et comme ça vous pouvez commencer la pratique sereinement. Alors, donc les cours en ligne, en live mensuel de Kunda Yoga, et puis plusieurs masterclass tous les 2 mois, et puis aussi bon, d'habitude, cette séance que je vous offre, eh bien, en temps, comment dire, dans le cadre d'accompagnement, en fait, ma séance individuelle coûterait aujourd'hui 180 euros. Comme en ce moment, eh bien, j'ai décidé d'ouvrir ce cercle pour accueillir des nouveaux membres. Alors, je vous propose tout cela pour le prix de 28 euros par mois. Et c'est également possible de rejoindre avec un abonnement annuel de 188 euros, soit 138 euros d'économie sur l'année. Alors, si vous souhaitez rejoindre ce soir, enfin ce soir ou aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui regardent en différé, Kunda Yoga Kutir, eh bien, je vous invite à aller découvrir la présentation de l'espace Kunda Yoga Kutir. Alors, je suis prête maintenant à faire le retour de chat. Mais merci déjà, Minako. Si tu veux, je te remonte les questions. Ouais. Donc, normalement, vous avez accès à l'offre de Minako. Ouais. Profitez-en, vous avez au-dessus du chat, hein, ça s'est affiché. Nous enverrons aussi un email. Pour vous le rappeler, donc nous avons déjà des témoignages, d'accord, de voilà Nathalie qui dit c'est fort dans le corps, la connexion y est. Laure, merci pour cette séance complète de pratique, ce fut très enrichissant. Patrick, super magnifique, merci. Nathalie, magnifique séance forte d'expérience. Marie, magnifique, merci. Et Patrick qui demande, conseillez-vous de refaire donc ce que tu as proposé ce soir? Et qui demande aussi atelier de l'amour, de l'art de l'amour. De quoi s'agit-il? Je suis arrivée en retard. Voilà. Ah oui, sur la page, eh bien, en fait, je propose de rejoindre le Kunda Yoga Kutir, soit en abonnement mensuel ou annuel, mais aussi, si vous souhaitez, dans un premier temps, de se tester un tout petit peu, eh bien, vous pouvez aussi ce soir commander l'atelier de l'art de faire l'amour holistique Magouai, qui est disponible également juste après de votre commande dans l'espace membre. Mais ce sont deux choses différentes. Mais ce soir, j'ai surtout parlé de Kunda Yoga Kutir. Okay, merci. Malgorzata qui dit merci beaucoup pour cette belle expérience. Voilà, c'est la fin des questions. Donc, il n'y a pas, c'est bon, il n'y a pas particulièrement de questions. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour tous ces apports et on a hâte de te retrouver très bientôt. Hein, donc à Oui. travers ces programmes que tu proposes. Oui, tout à Vraiment, fait. merci pour ta Merci à vous. générosité de nous avoir voilà, proposé tout ce que tu nous as déjà proposé là ce soir. Je pense que pour les personnes qui nous ont regardé ben, en direct ou en replay, voilà, est-ce qu'ils peuvent refaire ces exercices? Est-ce qu'ils doivent, il y a des choses à observer pendant les jours qui viennent? Eh bien, oui, c'est important de bien vous hydrater, c'est vrai, parce que de l'eau permet de fluidifier davantage le processus, donc l'intégration sera douce et plus fluide. Donc, hydratez-vous bien pendant les 24 à 48 heures, et puis aussi, reposez-vous bien. Vraiment, si vous pouvez, demain ou ce week-end, favorisez vraiment le temps de vous déposer parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de vous. Donc, pour toujours accueillir cet processus d'intégration dans la fluidité, repos et hydratation. Merci beaucoup, Minako. Merci Narissa et puis merci à vous tous pour votre présence. Et puis au plaisir, à bientôt. À bientôt, tous.